La solitude des seniors. Ici, le jeune directeur, Yan Zongin, passe le plus de temps possible à discuter et plaisanter avec ses pensionnaires. Vous avez de la lunette, dites donc. Mais cela ne suffit pas. Les personnes âgées ont surtout besoin de voir leurs proches. Nous, on ne peut pas remplacer les enfants. C'est pour ça qu'on donne des incitations, pour que les enfants viennent plus souvent. Comment inciter les enfants à ne pas délaisser leurs vieux parents, à accomplir leur devoir filial? La solution tient dans ce coffre-fort. Pas d'argent, mais ces coupons. Une récompense sous forme de réduction de soins pour enfants méritants. Hui Niang vient voir sa mère tous les jours. Elle sera donc récompensée. Bonjour, vous êtes la fille de la chambre 411? Vous êtes venu voir votre mère plus de 30 fois en 2 mois. Vous avez donc droit à ces coupons d'une valeur de 30 euros. Vous pourrez déduire de vos frais du mois prochain. Ah, merci, c'est gentil. Moi, je rends visite à ma mère de toute façon. Mais ce coupon, c'est une bonne incitation. 30 euros dans une province où le salaire moyen est de 800 euros, ce n'est pas négligeable. Et depuis la mise en place du système, le nombre de visites a été multiplié par 3.